moi je vais arriver du premier coup, je vais y arriver. Je vous suis, Shepard. Allons-y. Vous êtes chaud les gars, hein, parce que moi, je suis moyen chaud quand même. Des guettes, des barrières électriques. Oh. Ah, c'est vous qui avez commencé par à tirer les mecs? Mais reste derrière. Ils sont cons, ces guettes. Ça a pas l'air hyper intelligent comme race quand même, parce que je voudrais pas dire, mais... Ils foutent un bouclier devant eux. D'accord. Ils se déplacent. Ah, d'accord. Préfère. Ok. Ok. 1, 2, 3, 2, 3. Ok. T'as fait un gros trou. Il y a rien d'autre par là-bas. Un petit loot. Alors. Oh, putain. Allez. Mais j'y étais, putain, Kong. Il y a rien d'autre. J'attends vos ordres. Je suis prêt, commandant. Venez, on la laisse là. On s'en va. Ça serait rigolo quand même. Comme par hasard, il y a un truc pour se cacher. Ouais. Comment avez-vous pu entrer? Je croyais qu'il était impossible de franchir les barrières. On a forcé le passage avec le laser de minage. Bien sûr. Oui, c'est logique. Je vous en prie, faites-moi sortir avant que d'autres guettes n'arrivent. Ce bouton devrait couper le champ de restriction. Appuie pas. Appuie pas. Appuie pas. Ah, elle appuie. Vous savez comment sortir d'ici? Pourquoi tu cries? Il y a un ascenseur au cœur de la tour. Du moins, je crois. Il devrait nous permettre de sortir d'ici. Allons-y. Je n'arrive toujours pas à y croire. Pourquoi les guettes m'en voudraient-ils? Pensez-vous que Benezia y soit pour quelque chose? Saren cherche le canal. Et personne ne connaît les protéens aussi bien que vous. Il veut sans doute que vous l'aidiez à le trouver. Le canal? Mais... –
C'était quoi, ça? Cette grotte n'a jamais été bien stable. Toutes vos pétarades n'ont pas amélioré les choses. Mes pétarades, elles ont sauvé la vie, espèce de... Il reste plutôt plus de 10 minutes avant que cet endroit ne s'effondre. Prions pour que la montée en pression ne provoque pas une... J'ai pas trouvé mieux. Joker, décollage immédiat. Venez nous récupérer en urgence. Compris, commandant. Temps estimé, 8 minutes. Si je meurs ici, je jure que je le tue. Bah non, tu seras mort. Oula. D'accord, d'accord, je me rappelle de cet endroit. Je me rappelle que je suis beaucoup morte à cet endroit. Rendez-vous. Vous me ferez plus. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, tout est en train de s'effondrer. Sympathique comme cadre, non ? Merci de nous avoir débarrassés de ces champs énergétiques. Livrez-nous, docteur. J'ignore ce que vous voulez, mais vous n'obtiendrez rien de moi. Vous ne trouvez pas que le moment est mal choisi ? C'est le cadre rêvé pour un bon combat à mort. Tuez-les ! Épargnez la série si possible. Sinon, tant pis. Ok, là on est dans la merde parce que je me rappelle plus du tout. Comment j'avais win ce combat ? Déjà dans un premier temps, aïe, on va se débarrasser des ZAD. Il est où l'autre gros con ? Garus est down. Ah putain, c'est le foudre de gars. Ah putain. Je me rappelle plus comment on le bute celui-là. Je n'arrive toujours pas à y croire. Pourquoi les guettes m'en voudraient-ils ? Pensez-vous que Benezia y soit pour quelque chose ? Saren cherche le canal, et personne ne connaît les protéins aussi bien que vous. Vous avez changé de place, les garçons. Vous avez à le trouver. Le canal ? Mais... C'était quoi, ça ? Cette grotte n'a jamais été bien ça à chaque fois, quand même. Toutes vos pétarades n'ont pas amélioré les choses. Il reste tout au plus de 10 minutes avant que cet endroit ne s'effondre. Prions pour que la montée en pression ne provoque pas une éruption. Joker, décollage immédiat. Venez nous récupérer en urgence. Compris, commandant. Temps estimé, 8 minutes. Ça change absolument si rien. Je meurs ici, un choix ou l'autre. Je jure que je le tue. On n'a pas de temps à perdre avec cet imbécile. En avant. Parfait. Thank you.
Il est où? J'essaie de lui tirer dans les pieds. C'était moins une, commandant. À 10 secondes près, on faisait trempette dans un lac de lave en fusion. Atterrir dans un volcan en éruption, c'est s'exposer à quelques menus problèmes. Du genre la coque qui fond, l'équipage qui meurt dans d'atroces souffrances. Enfin, de quoi tu parles, moi, frère. Je dis ça. Nous avons failli mourir et votre pilote trouve cela amusant? Joker vient de nous tirer d'un sale pétrin. On peut lui passer 2-3 blagues vaseuses. Je vois. Ce doit être un comportement typiquement humain. Mes excuses. Je n'ai eu que peu de contact avec votre espèce, commandant. Mais je vous suis reconnaissante de m'avoir sauvée. Et je ne parle pas seulement du volcan. C'est Guette allait me tuer, ou m'emmener devant sa reine. Qu'est-ce que sa reine vous voulait? Vous savez quelque chose sur le canal? Seulement qu'il est lié à l'extinction des protéins. C'est mon domaine d'expertise. J'ai passé les 50 dernières années à essayer de comprendre ce qui leur est arrivé. Quel âge avez-vous exactement? Ça me coûte de l'avouer, mais je n'ai que 106 ans. C'est dingue. J'espère que j'aurai encore de beaux restes à votre âge. Je comprends qu'un siècle puisse vous paraître long compte tenu de votre espérance de vie. Mais au sein de la communauté Asari, je suis à peine plus âgée qu'une enfant. De ce fait, mes recherches n'ont pas eu toute l'attention qu'elles méritent. À cause de mon âge, la plupart des érudits Asari rejettent mes théories sur l'extinction des protéins. Vous avez découvert quelque chose ? Quasiment rien, et c'est justement ça le plus intéressant. Il existe étonnamment peu de traces archéologiques des protéins, et encore moins d'éléments expliquant leur disparition. Comme si une volonté s'opposait à la résolution du mystère. Comme si quelqu'un était venu nettoyer la galaxie de tout indice concernant les protéins. Mais là n'est pas le plus incroyable. D'après ce que j'ai pu découvrir, les protéins n'étaient pas la première civilisation galactique à disparaître mystérieusement. Il s'agit d'un cycle qui a commencé bien avant eux. Comment en êtes-vous arrivé à cette hypothèse? Je croyais qu'il n'y avait pas de preuves. Voilà 50 ans que j'étudie la question. J'ai rassemblé les moindres éléments et débuts de preuves que j'ai pu trouver. Cela m'a permis de constituer un faisceau de présomption, un faisceau qui éclaire la vérité. C'est difficile à expliquer, je ne peux pas vous donner d'arguments précis. C'est plus un sentiment qui s'est nourri d'un demi-siècle de recherches assidues. Mais je sais que j'ai raison, et je finirai par le prouver. Il y a eu d'autres civilisations avant les protéins. Le cycle s'est répété à de nombreuses reprises. Oui, enfin, Newton aussi pensait qu'il avait raison. Il y a que moi que ça gêne qu'elle parle du fait qu'elle n'a que 106 ans et qu'ensuite elle insiste bien sur le fait que ça fait 50 longues années qu'elle étudie le truc. Genre, il y a 2 secondes, 106 ans, c'était pas grand-chose. Et là, 50 ans, c'est... Waouh, tu te rends pas compte, ça fait 50 ans que je travaille sur la même chose, quoi.
Enfin, attends, tu m'as appris pour qui? Si les protéens n'étaient pas les premiers, alors qui? Je ne sais pas. Nous n'avons quasiment rien sur les protéens, et encore moins sur leurs prédécesseurs. Je ne peux pas étayer ma théorie, mais je suis persuadée de son bien fondé. La galaxie passe par des périodes d'inexorable extinction. À chaque fois qu'une civilisation s'érige, elle s'effondre brutalement, en ne laissant que des ruines derrière elle. Les protéens étaient originaires d'une seule planète avant que leur empire s'étende à toute la galaxie, mais ils ont bâti leur civilisation sur les vestiges de leurs prédécesseurs. Leurs plus grandes œuvres, les relais cosmodésiques et la citadelle, sont basées sur une technologie qui existait avant eux. Ensuite, ils ont disparu, comme toutes les autres civilisations oubliées de l'histoire de la galaxie. J'ai consacré ma vie à essayer de comprendre pourquoi. Parce que rien ne dure jamais, ma petite. Ils ont été exterminés par une race de machines intelligentes, les moissonneurs. Les moissonneurs? Mais je n'ai jamais entendu. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Avez-vous des preuves de ce que vous avancez? Il y avait une balise protéenne endommagée sur Eden Prime. Elle m'a transmis une vision. Je n'en ai pas encore compris toute la portée. Une vision? Oui, c'est logique. Les balises ont été conçues pour imprimer des informations directement dans l'esprit de leurs utilisateurs. Il est extrêmement rare d'en trouver en état de marche. Il n'est pas étonnant que les Geth aient attaqué Eden Prime. Une balise fonctionnelle, même très endommagée, vaut la peine de prendre tous les risques. Mais les balises étaient programmées pour interagir avec les protéens. Voilà pourquoi le message vous a semblé obscur. Je suis même étonnée que vous ayez pu comprendre quoi que ce soit. Un esprit faible aurait été détruit. Vous devez avoir une force de volonté remarquable, commandant. Ce n'est pas ça qui va nous aider à retrouver Saren, ni le canal. Bien sûr, vous avez raison. Je suis désolée. Ma curiosité scientifique a pris le dessus. Malheureusement, je ne dispose d'aucune information qui pourrait vous aider à retrouver le canal, ou Saren. Non. Je ne sais pas pourquoi Saren voulait vous éliminer. Mais je crois qu'on a intérêt à vous emmener avec nous. Merci, commandant. Saren ne m'aurait pas laissé en paix. Je ne vois pas d'endroit plus sûr que votre vaisseau, et ma connaissance des protéins se révélera peut-être utile par la suite. Ses capacités biotiques aussi, s'il y a du grabuge. Ravi de vous avoir parmi nous, Lyara. Merci, commandant. Je vous en suis très j'ai un léger vertige. Depuis combien de temps vous n'avez pas mangé ou dormi? Le docteur Chakwas devrait vous examiner. Ce n'est qu'une légère fatigue mentale, conjuguée au choc d'apprendre la destinée des protéins. Mais je ferais bien de consulter un praticien malgré tout, ne serait-ce que pour méditer. En avons-nous terminé, commandant? Allez voir le docteur. Les autres, rompez. Le rapport est envoyé, commandant. Vous voulez que je vous mette en relation avec le conseil? Ouais. Passez-les-moi, Joker. J'établis la connexion, commandant. Nous avons reçu votre rapport, commandant. J'ai cru comprendre que le docteur Tsuni était à bord. Ouais. Je suppose que vous avez pris toutes les mesures de précaution nécessaires. Ne me dites pas comment faire mon travail. Vous êtes libre d'agir comme bon vous semble, commandant. Notre rôle est de vous guider et de vous conseiller. À vous d'avoir ou non l'intelligence de nous écouter. Lyara est de notre côté. Les Geth voulaient la tuer. Benezia ne laisserait jamais sa reine tuer sa propre fille. Peut-être qu'elle n'est pas au courant. Ou peut-être que nous la connaissons pas. Qui aurait cru qu'elle nous trahirait? Au moins, la mission est un succès. Si l'on accepte la destruction totale d'un grand site protéen, était-ce réellement nécessaire, Shepard? Ces ruines étaient infestées de Geth. Nous avons eu de la chance d'en sortir en vie. Bien sûr, commandant. La mission avant tout. Bonne chance, commandant. Et souvenez-vous, nous comptons tous sur vous. Vous avez tous l'air d'être des gros faux culs.